Bonjour mes chers élèves de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré. Le livre que vous aimez tous. C'est l'arbre aux mots. C'est une autre façon d'enseigner la langue française avec une nouvelle méthode de français. Alors dans cette vidéo, on va voir conjugaison. Conjugaison facile. Cette fois, on va discuter sur le présent des verbes en « est ». C'est-à-dire premier groupe. Première partie. Allons-y. Prenez votre livre, la Romo, page 54. Et attendez-moi. Alors prenez votre livre, page 54, conjugaison, je manipule le présent des verbes en « est ». Première partie, c'est-à-dire le présent des verbes du premier groupe. Avant de faire le cours, comme d'habitude, il vaut mieux de faire quelques exercices pour avoir une idée. Recopie les verbes qui se conjuguent comme chanter. Normalement, ici, chanter se termine par ER. Par E. C'est ça ce qu'on appelle la terminaison du premier groupe. Recopie les verbes qui se conjuguent comme chanter. Alors, pour descendre, non. Cela ne ressemble pas. Être aussi, dire aussi, mais parler. Mais chuchoter, danser aussi, c'est la même façon que chanter, parler, chuchoter, danser. Alors, regardons s'il vous plaît ici, regardez s'il vous plaît ici la terminaison, hein, ER. Alors la même chose ici pour parler, chuchoter et danser. Alors on constate que parler, chuchoter et danser se conjuguent de même façon que chanter. Recopie les verbes qui se conjuguent comme chanter, parler, chuchoter et danser. Relie chaque sujet à un verbe qui convient. Le verbe ici s'appelle demande, branche, ferme. On précise un peu, il y a s'appelle Kiki. Qui s'appelle Kiki? C'est la souris. La souris s'appelle Kiki. Il demande à boire. On dit il demande à boire ou je demande à boire. C'est la même chose. Il demande à boire ou je demande à boire. Soit on dit il branche la lampe ou je branche la lampe. C'est la même chose. Tu fermes ton sac. Tu fermes ton sac. Normalement, la terminaison, c'est ES. On va voir pendant le cours. Tu fermes ton sac. Il demande à boire ou il branche la lampe. Je demande à boire ou je branche la lampe. La souris s'appelle Kiki. Recopie puis complète chaque phrase avec le pronom personnel. Pronom personnel, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, achète des gâteaux. On dit soit j'achète des gâteaux, soit il achète des gâteaux. Ou elle achète des gâteaux. Je marche dans la rue, ou il marche dans la rue, ou elle marche dans la rue. Et sinon, tu regardes le film. Tu regardes le film. Tu avec ES, tu regardes le film. Tu rentres de la piscine. Tu rentres de la piscine. La terminaison ES. Tu rentres dans la piscine. J'habite dans une belle maison. Il habite dans une belle maison. Elle habite dans une belle maison. Alors, il y a ici trois cas. Je, ou il ou elle. C'est la même chose pour marche. Je, il ou elle. C'est la même chose pour habite. J'habite. Hein? Il habite. Elle habite. Alors, relie chaque sujet à la forme du verbe qui convient.
Alors, Lola, tu ou je pense. Lola, c'est elle. On dit Lola arrive avec E. Dans le sens. On ne dit pas Lola arrive avec E. Lola arrive avec un T. Non, Lola arrive avec E ici. Dans le salon. Tu coupes, d'accord? Tu coupes du pain. On peut dire aussi tu couperas du pain. Tu couperas du pain. Mais tu coupes ici, c'est au présent. Alors on précise uniquement le présent. Tu coupes du pain. Tu coupes du pain. J'ouvre ou j'ouvrai, c'est la même chose. Hein. Mais normalement au présent, on dit j'ouvre la porte. Alors, Lola arrive dans le salon, tu coupes du pain, j'arrive, pardon, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Ici, c'est un exercice vraiment facile, puisque vous venez maintenant de maîtriser les exercices, conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Ranger, écouter, inviter, rester. Se conjugue de même façon que chanter. Il range ses affaires. Tu écoutes de la musique. La petite fille invite Martin. Je reste tranquille. Il range avec E. Tu écoutes avec OS. La petite fille invite avec E. Je reste tranquille avec E. Alors, il range avec E. Tu écoutes avec ES. La petite fille invite avec E. Je reste tranquille. Vous avez maintenant fait les exercices, c'est très bien. Maintenant, retour à la leçon, le présent du verbe en est, ça veut dire première partie ici, c'est premier groupe. Lis le texte ci-dessous, il dit à quel temps l'histoire se passe. Martin dépose un sac de toilette sur le bord du lavabo. Il étend son pyjama sur le lit, puis il montre son doudou à Lola. À Lola, à son tour, elle présente sa souris à Martin. Il dit à quel temps l'histoire se passe. Normalement, ici, il y a des verbes comme dépose, étale, montre, présente. Alors, le temps ici, c'est le présent. Parce qu'il y a trois temps, le présent, le passé, le futur. Mais normalement, ici, les verbes se sont conjugués au présent. Alors, lis le texte ici, il dit à quel temps l'histoire se passe. L'histoire se passe au présent. Recherche les verbes et dans leur infinitif. Alors, Martin dépose un sac de toilette sur le bord du lavabo. Il y a dépose, c'est le verbe déposer. Puis, il montre son dodo à Lola, c'est le verbe montrer. Montre, montrer. À son tour, il présente sa souris à Martin. Présenter. Alors, ici, déposer. Étaler. Montrer et présenter. Alors, qu'est-ce que je remarque? Alors, tous les verbes ici à l'infinitif se terminent par et. C'est ça la terminaison du premier groupe. Lis le verbe étaler, conjugué au présent et aux trois personnes du singulier. J'étale, tu étales, étale, étale. Oui, c'est ça. Réécris chaque forme verbale du verbe étaler en coloriant en bleu les lettres qui ne changent pas et en rouge celles qui changent. Alors, celles qui changent, c'est E, ES, E. Normalement, c'est la terminaison. Les autres, c'est le radical. Étale avec un seul L. C'est le radical. Alors, qu'est-ce que je dois colorer en bleu? Ça veut dire le radical. Ça veut dire les mots ou les lettres qui ne changent pas. Étale, 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 étale. Et les autres? En rouge, oui, en rouge. En rouge, celle qui change. Et les autres, les terminaisons en rouge. Par exemple, je colorerai E, ES, E. Fais le même travail avec le verbe déposer, conjugué au présent et aux trois personnes du singulier. Alors, je dépose, tu déposes, il dépose. Alors, c'est la même chose. Je prends la couleur bleue et je vais colorier les lettres qui ne changent pas. Dépose avec S. Dépose, dépose. Et les autres avec la couleur rouge. Compare les deux verbes que remarques-tu, hein, sont la même chose. Elles se conjuguent de cette façon. Hein, j'étale, tu étales, étale, étale. Se ressemble complètement avec je dépose, tu déposes, il dépose. C'est la même chose pour les autres verbes de premier groupe.
Que peux-tu dire des terminaisons des verbes en er, conjugué au présent aux trois personnes du sujet? Ça ressemble complètement. Alors, e, regarde, e, es, es, e, e, etc. C'est la même chose. Alors, c'est donc la première partie de ce cours, vraiment très facile. Vous venez de comprendre que ça veut dire le présent du verbe en e. Première partie. Deuxième partie. Je cherche ici la page pour préparer dès maintenant. Deuxième partie. Voilà. Ah, normalement, il y a une seule partie. Il y a une seule partie ici, première partie. Hein. Pour la deuxième partie, je crois que c'est pour... hein? Dans l'année prochaine. Alors, la leçon... la prochaine leçon, ce sera le présent du verbe être et avoir au présent. Oui, le présent du verbe être ou avoir. Alors, merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, ce sera donc les activités de ce cours, le présent du verbe en « et ».